Yes. Il était là, parmi nous, l'année dernière, pour présider ce plan international 2 milliers de bâtiments. Dieu en a décidé aujourd'hui. Je disais, prier pour le repos de son âme au paradis éternel. Cela étant dit, nous voici aujourd'hui au terme du CRD, le sacré, au préparatif du prochain Cameroun international de Medina Bay, qui se tiendra le 29 octobre 2020, sous la présidence du Serigne Cheikh Maïdès. Ce Cameroun va se dérouler dans un contexte particulier. Il s'agit d'un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. De telle sorte que aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur insisté sur l'aspect sanitaire. Tout à l'heure, j'ai dit que nous nous engageons ensemble, le gouverneur, le préfet, l'ensemble des chefs de service et le comité d'organisation pour solliciter l'appui de l'État en masse, en gel, en thermoflash et autres produits pour barrer l'âme à cette pandémie. La raison pour laquelle je dis tout à l'heure que le comité d'organisation aussi devrait se lancer dans cette campagne. Et j'ai parlé tout à l'heure même. D'obtenir 10 millions de masques. C'est une manière de parler, pour dire que nous devions mettre l'accent sur cet aspect de la pandémie de COVID-19 par le respect de l'ensemble des gestes. C'est la raison pour laquelle, entre autres instructions, j'ai demandé au préfet de Kaolack d'organiser spécialement une réunion autour avec le médecin chef de région. Croix-Rouge, dont les éléments ont joué un rôle très important lors des deux. Les événements qui se sont déroulés, les événements malheureux qui se sont déroulés ici. Parlons des funérailles de Seyda Fatoumata Zahra, qui est né le chef de l'islam, mais aussi à l'occasion des funérailles du défunt Khalif Cheikh Ahmed Tidiane. Yes. Je crois que ces événements qui ont attiré énormément de monde ici à Medina Bay, mais la qualité avec laquelle ils ont été organisés a fait que, même avec moins de cas par rapport à ce que tout le monde prédisait. Je crois que j'ai demandé au préfet d'organiser là-dessus, en rapport avec le médecin chef de région, la police, mais également le comité d'organisation. Cela étant dit aussi, il nous faut, toujours dans le sens de bien organiser cet amour, aussi mettre l'accent sur la sécurité au niveau de tous les axes menant vers le travail, en rapport avec la gendarmerie, les sapeurs-pompiers,
mais également la sécurité à l'intérieur de la ville de Kaolack, plus particulièrement dans l'enceinte de Dénabaï, en rapport avec la police. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'on mette ici en place un poste de commandement opérationnel dans lequel vont travailler la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Nous allons mettre l'accent sur la sécurité dans les grands axes, également à l'intérieur, mais plus particulièrement autour des lieux de culte et surtout dans les domiciles des chefs d'armée, plus particulièrement au niveau du. Après cela, nous allons aussi également mettre l'accent sur l'éclairage, aussi bien l'éclairage public que l'éclairage au niveau des lieux où on organisera donc ces rencontres, notamment les champs religieux. Mais aussi, nous avons demandé à la mairie aussi d'accompagner la Sénélec pour mieux prendre en charge l'éclairage public. Et la Sénélec a donné son engagement vraiment pour prendre compte tous les lieux qui demanderont un renforcement dans ce domaine. Parce que sans éclairage, sans suffisamment de fourniture d'électricité, on ne pourra pas résoudre ce problème. Après cela, nous allons mettre l'accent évidemment aussi sur l'approvisionnement en eau potable. En eau potable, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, la SONES s'est engagée, SENO s'est engagée pour non seulement reproduire le dispositif de l'année dernière, mais de renforcer. Je crois qu'il y a un fort aussi qui sera de la partie et on mettra en place des points d'eau, on mettra aussi en place un dispositif tournant de fourniture d'eau avec donc, à l'aide de camions, mais aussi à l'aide de vaches à eau. Donc j'ai cité la sécurité, j'ai cité la fourniture en électricité, j'ai cité la fourniture en eau, je crois qu'il reste l'assainissement. Je parlais de la santé aussi. L'hygiène, assainissement aussi, nous essaierons de tout faire pour prendre en compte cet aspect-là. Parce que nous sortons d'un hivernage, bientôt la fin de l'hivernage. La vie de Kaolack, à l'instar de notre grande ville du Sénégal, a été purement éprouvée par les effets des fortes pluies qui se sont abattues ici. Donc il y a toujours des plateaux et des endroits qui regorgent encore d'eau. Heureusement que nous allons en profiter vraiment donc des moyens qui ont été mis à notre disposition dans le cadre du plan Orsec, l'exécution du plan Orsec, pour vraiment remplir beaucoup de places afin donc de lutter contre ces flaques-là qui risquent de créer des agréments. Et on en a profité aussi pour demander à la justice engagée pour vraiment réparer, perfectionner certains grands axes autour de Medinabaï, plus particulièrement au niveau de lieux de prière, des guides et de corrigés et capacités. Je crois que voilà, de manière très ramassée, ce que nous avons demandé. Maintenant, on va tenir compte aussi de l'afflux des pèlerins. Viendront donc des frontières et toutes les dispositions seront prises en rapport avec la police des frontières, en rapport avec la douane, en rapport aussi avec nos collègues qui se trouvent dans les régions frontalières où passeront des pèlerins pour regagner Medinabaï, vraiment pour prendre en compte tout ça. Monsieur le gouverneur, on l'a appris ce matin, Diawan a renoncé à l'organisation de l'élection 2020. Est-ce que cet aspect a été pris lors des débats?
afin de pallier à toute éventualité, je veux dire l'affluence qui pourrait connaître Medina Baye prochainement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici à Medina Baye, un CRDM vient d'être organisé. Parce que les autorités religieuses ont décidé d'organiser le Gabon. L'État prendra toutes les dispositions pour les y accompagner. En prenant en compte cette pandémie, et on fera tout vraiment pour que tous les gestes barrières, toutes les mesures d'hygiène sanitaire soient respectées pour permettre à Medina Baye d'organiser son gamin dans de meilleures conditions. Voilà ce que nous voulons. Gouverneur, tout à l'heure, vous l'avez souligné, l'affluence de l'État qui vont venir de partout. La particularité du Cameroun, c'est la présence de la forte communauté des Nigérians, des Maliens qui vont venir en masse pour célébrer la vie du prophète Mohammed. Une fois arrivé au niveau de la cité religieuse, quelles seront les dispositions qui seront mises par les autorités sanitaires? Est-ce qu'ils vont tester afin d'éviter des contacts avec certaines personnes. Je vous l'ai dit, on mettra tout le monde sur le même pied. On tâchera de distribuer les masques, les gens. On tâchera de sensibiliser tout le monde pour faire face à cette pandémie. J'ai dit tout à l'heure même les possibilités de rapprocher le dispositif de test. Et il n'est pas exclu même qu'on demande une autorité si on peut disposer, même de dispositif supplémentaire de diagnostic rapide. Et on pense même à mettre en place donc, un dispositif d'isolement. Mais sur ce plan, vraiment, il n'y a aucune crainte. On traitera tout le monde sur le même pied parce que Medina Baye, comme vous le savez, c'est un gamin de niveau international. Quelle que soit donc la situation, quand Medina Baye décide d'organiser son gamin, l'État fera tout pour que ce gamin-là se déroule dans d'excellentes conditions. Qui va le couper? Wow. Nous beaucoup de règles, ça me touche encore. Ibu Nyumae, le fait que Corel, on a commencé des notes sur une fin de l'année, sur une voie, sur une téléphone. On a parlé de l'école, on a fait d'abord. J'ai tout le monde. Il faut une fille serrée. Conclusion, il n'y a pas de côté de l'école. Je t'ai dit, il y a la dernière fois. Je me disais, c'est une chère Amédi Gagnès. Regardez, nous sommes tous. Nous sommes tous. Dafa nek gamo bu nga xamne ren bu am lu mu tombé bi mu tombé moy fièvre bi nga xamné ni moy coronavirus
ñu nak ñu jël disposition yu nga xamné ni bu sobé yalla dañ ko and ak comité d'organisation and ko ak sëriñ bi ko diglé ñu organiser ko ci jamm ak salam jéxal ko ci jamm ak salam ba taxna ñu insister nak ci walu wër bi yaram nan nañ koy sayto dafa am ñaari événement yu nga xamné ni ñi ñi ñu do ab sal ñu ñaan ñaar ko fi am lu ko def hein nga xamné daf nañ fi organiser nañ ko fi def organisation bu mucc ayeb ba buñ fa joggé wax deug yalla li ñu bari doon sentu doon ragal amu motax ñu bëgg reconduire même dispositif na def ben ci fani dama organiser réunion sex ko ak comité d'organisation sex ci chef région sex ko ak croix rouge sex ko ak police bu ko defé réunion bobu danañ fexé ba lepp ñu wara jël ko matuway ci affaireu masque ci affaireu gel ci affaireu tourno sensibilisation ñu jël ko ba mëna organiser dam ci jamba ak sax ba waxna légui sax né état bi mom ñu ci wara joxe ci masque ak gel yépp dina ko joxe mais nak du doy motax mo wax ni comité d'organisation ñeneen ñoy tam nañ lancer appel 10 millions de masques sax ko na baax waxin la wax rek né suñ ko amé jël mais buñ amé lu nga xamné aussi dina mëna couvrir art ñepp ñi nga xamné ñi ñëw ci gamogi lu aussi da fe dañ organiser lolu insister nak ci place yi nga xamné ni ko fa dem ala pour li alen da nga tak mas nga tak mas da nga lancer lu comité organisation da na ci liggéey ak préfet liggéey ci ak police place yu nañ leen répertorier ba ñepp xam ko ñu def dispositif nga xamné ni dañ ko wara def bu lolu wessu aussi ku ne gamma da nga wax karangé sécurité sécurité biti ak sécurité ci biir sécurité ci biti moy fepp fu ñu ñoy pour du ko kawla lo jana ko def nok sécurité en rapport ak sa propre pays nga xam na ñu nekk ci yoon bu en cas d'accident demé non sécurité lolu mom police da na ko tap bu ko defé ñoy ñepp nak ni police bu gendarmerie ni sapeur pompier ñom ñep ñu créé di ñuy wax BCO poste de commandement opérationnel sam ko fi ci medina bay comme niñ ko défé won taw pour saytu karangé ñep surtout saytu karangé ñu wër fi ci mosquée bi ak li jëm ci kilif ko kër kilifa dini yi plus particulièrement kër jenaatu medina bay su lolu wesso aussi wax nañ fi affaireu fexé ba am courant mu doy sénégalais wax na ne moom bare na ñuy dégg comité d'organisation fépp fu doxane rek mu dam loolu moom dal na xel comité d'organisation dañuy dégg ci wax nañ aussi ne nañ fexé ba ndox doy ànd ci ak seen eau ànd ci ak sonnes ànd ci ak ofor ànd ci ak comité d'organisation loolu wax nañ ko léegi wax nañ normal disciplinaire yi nga xam ne soxlu nañ ko nan nañ ko disciplinaire di tourner wala nañu def bâche à eau yi wax nañ ko ba sonnes moom nee na dispositif bi ñu defoon daaw bi ci dindi dara xanaa da koy yokk extension yi ñu demandé muy 15 kilomètres yooyu danañ ko exécuter mais après gàmmo la parce que diggante bi dafay xat te dañuy lancer après loolu mu def extension ñu jógee ci loolu wax nañ wax santé wax nañ sécurité wax nañ ndox bu des hygiène ak assainissement yëpp dañoo génn ci nawet te am na mbedd yu bëri nga xam ne nii ndoxu taw bi ma nga fa des yooyu dinañ fexe ba rambalé ko pour assainir ko ba nga xam ne nii ñu ñëpp dinañ mën a jaar fenn si ni yëri bu tàq si seen i daal ba loolu tax na ba am na mbedd yu nga xam ne dañ ko defaraat lolu daal ci gàttal entre autres
point retenir les niveaux il bari na ko ay bari na dal comité d'organisation de la communauté internationale parce que les gars de la baie les gars de la région ont été en train de faire dispositif bi ñuy jël pour ñeu mom lañu jël pour yow motax bu ñëw ñom ñëpp dañ leen sensibiliser ñom ñëpp dañ fi xaba ñu tax seen mas ñom ñëpp dañ fi xaba ñu ko seen gel ñom ñëpp dañ fi xaba ñu respecter seen sensibiliser bu ko defé bu ñu ko defé rek ni ñu ñaané mucc ñu ko suñu non lañ leen ñaanalé ñom ñu mucc ko di ci seen seen dëgg la ko daal lolu en tout cas lolu lolu ko wéddé ndax ñu bay war do organiser waru or cette phase sumuru man état la fto état dé jappalé les communauté bu né dama organiser gam état war le def monsieur le gouverneur non laissez-moi répondre du lolu lay wax lawone organisé mané ndax ñu lawone bañu organisé ñu ndax jëlum ñen ko ndax té bo xamné la jël ngeen ko charge ci waxtan non parce que la ligne le bay elle le sibir am yeneen nit ñoo xamné dinañ appuyé en masse ñeu tomber gam ñu mëna bay wa da nga warum tout ici question donc pour tout ici mais dal mu continuer ni moy continuer moy ñun communauté dañuy dappalé suñu bop ñu dëna bay ñu ngi organiser kamo bu nga xamné ni forte influence la dimension internationale ñun en tant que état li ñu war moy dappalé suñu bop ba ñom ñu ko bëggé ñu organiser ko nonu ñi ñi ñëw ci jamm de l'outil d'âme. Là, on a répondu. Quelle que soit la violence, nous, on essaie de contenir la violence. On peut répondre à votre question. Ousmane, j'ai l'air de me sombre. Gracias.
ñaan ñaan dañu waro do tej waye xam nga ni lu melni bu ko organiser ay kilifa tew ay kilifa yoni len ci côté bu nek ñu def liguey bu rafet bi warna am ku len gërem khalifa bi mo len wara gërem nek fi warna am ko wax ci turu gouverneur ak ñu andal mu ta gërem bopam te war ta gërem bopam comment mi nga xamni mom mo yoré liguey bi mën ta gërem bopam ngir mané ko fédali parce que comme ni ngeen ko xamé ci état lañ nek waxuma sax dolé état waye ñun dañoo respecté état respecté suñu bop respecté réew mi ba nga xamné su état waxone waru fay amé dañuy bay lolu luñu wara remarquer donc état bi ko ak ité du mu def lolu tamit lu jara signifie lu jara sali su lu jara mais président de la République suñ koy gëreum dañ ko wax nak ko gouverneur bi dañu tégal fi ci Kaolack gëreum nañ ko momi tamit parce que xamna sa bëggu xamna sa yéene té liñ ko fi téggé ci walu gogou ñun ñu sentir nañ gëreum wax koy tamit né ko sa préfet momi tamit liggéey bi mu koy def comme limu waré gëreum nañ gouvernement bo xamné amna lo xamné dëgg dëgg yeen mën ngeen am sen rapport waye ñun ñiñ koy défal tamit yaakar na né wax né dëgg dëgg li ñi wax ñun tamit yépp nañ ko yaakar na né amna solo pour baña guddal nak fu gëreum gouverneur gëreum préfet ak mbolém ñi nekk ci doon gouverneur ak préfet ci service policier ñëpp ñëpp yaakar na né loolu war na mëna doy pour gattal lutax nak gëreum président de la République ci lu melni gëreum état bi ci lu melni dama koy teunk rek dama mësa dégg baye yes mu wax cassette yaangi mune depuis indépendance ak légui mudina jaar na ci ñetti état bu ñëkk bi moy ay colonialiste ñoo fi nekkon ay tubab amu dara luy justifier ñu ilif ñu lu may ne dañu ëpp doon waye téré wu nangu won nañ di jëflanté ak ñoom di rafetal suñu digënté ak ñoom ngir bëgg jamm ak ngir bëgg dal dëgg leen li wax bu baax ba mune gannaaw gi amna gouvernement bu fi ñëw jàppale sago ci tambali bi dañoo jël lépp loo xam ne lu baax la lépp luy teranga la ñu sepp ci loxo ma ci bàyyi wax ne mu ne waaye terewut ñooñu gën a doon tubaab bi ndax suñu jarbaat lañ ak suñu doom gannaaw gi nag état boo xam ne nawloo nañu defoo nañu ñëw na fi kon lépp luñ doon def ci effort pour réew mi baax wala état bi dañ ko war a doublé ci la bàyyi waxee woon ne ñun waa Madina lépp lu état santaane rek waruñ koo def rek yem ci mais dañ caa war a raw kon nag su jamono di dox bañ agsi ci état boo xam ne la bàyyi doon wax ci jamono jooju boobu ak léegi ëpp na juróom benn fukki at jamono bii nii la gën a feeñ ñëpp gis ko kon loolu war nañ koo fàttali taalibe yi ñu xam ne war nañoo bàyyi xel ci loolu waxuñ ko nag pour neexal kenn mais loolu mooy dëkk bu ko defee nag man sama message bu gàtt bi maa ngi ko jëmale ci taalibe taalibe yi ñoo war a xam ne ñoom ñoo xew sëriñ bi moo xew bés yonente bi salaalahu alayhi wa sallam la donc ñoom lañu war a soññ ñoom lañu war a wax ne jël leen seen responsabilité parce que yow yaa am sa ngénte nit ñi ñëw pour jàppale la ci ngénte li du ñoom lañu war a wax ne nañ jël ay nañ respecté mesures yi mais yow yaa ko respecté kon état bi dafa ñëw pour dimbali ñu lépp luñ man def nañ ko ak luñ mënu kon ñun taalibe yi ñoo war a sagal sëriñ bi sagal yonente bi salaalahu alayhi wa sallam ci lépp loo xam ne discipline la ak yar la ak lépp loo xam ne jàpp nañ ne mën naa indi fitna mën naa indi problème ñu moytu di ko loolu mooy li nga xam ne mooy message kon nag ñu ngi gërëm comment bu baax a baax taxawaay bu rafet di leen ñaanal yàlla ñu am continuité mais tamit di leen wax ne tamit yaakaar naa ne lenn rek moo tax Madina jël responsabilité jël décision ñaan état bi ne ko dañoo bëgg organiser gàpp pourquoi lenn rek duut ne dañoo ignorer li xew duut ne dañoo bokkul ci àddina bi mais dañoo jàpp ne barke yonent bi ak taxaw ci bés yonent bi bés yonent ba yonent bi bëgg ci ñun mën buñ ci sukkandikoo ñaan yàlla jàmm mën naa am ci réew mi loolu rek moo tax ñu def ko mais du am sañ du leneen bu ko defee loolu mooy li nga xam ne loolu rek mooy wax ci kon nag ñu ngi gërëm ñëpp mais ñu ngi gërëm surtout journalistes yi ak presse beeg ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci li tax wax ji nga di ko wax fii ci saasi mu ak Nigeria ak Benin ak Amérique ak fu nekk
loolu ñu tamit ñoo ñuy tamit buñ ci bokk doon di sotti. Kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax, ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ñu yaakaar, parce que dafa am benn waaye boo xam ne nee na dañuy werante gàmm baax na wala baax. Mu ne man damay gis yonent bi salaatu salaam, mu ne ma gis ko xaw ma ci nelaw xaw ma ci lu mu ne, mu ne ma laaj ko ne ko dañuy werante gàmm baax na wala baaxul. Mu ne yonent bi salaatu salaam tontu ko ne ko man de ku bég ci man ma bég ci yow, te gàmm du dara lu koy bëggee yonent bi. Kon ñu ngi ñaan ci barke gàmm gi, ci barke mbuutu gàmm gi, yàlla nañu yàlla dàqal mbas, yàlla nañu yàlla du mbas mi rek mais yeneen mbas yëpp, yàlla nañu yàlla dàqal lépp luy métit ak lépp luy tilim ak lépp luy naqar ci xol yëpp, yàlla nañu ko yàlla dàqal. Ñu ngi gërëm ñëpp, ñu ngi sant ñëpp. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh.